c'est le début d'une trilogie qui se passe aux États-Unis. La thématique, c'est la filiation, puisqu'on va, dès le départ, se trouver dans une maison de famille où un type va débarquer un très joli dimanche d'été en 1966. Et ce type-là va dévaster, massacrer toute cette famille. Et un enfant va survivre, un garçon qui a 8-9 ans. Ce garçon, c'est le personnage principal de la trilogie, Desmond. Ça va devenir un grand journaliste, puis un criminologue, parce qu'en fait, il est obsédé par ce massacre qui a bouleversé sa vie, qui l'a privé évidemment d'une vie tout à fait normale. Au départ, la route 66, c'est une envie de voyage, une découverte des États-Unis, une route mythique que je n'avais jamais eu l'occasion de faire. Et puis surtout, il y avait une envie du côté du lecteur de connaître la suite. Et je crois que j'étais un petit peu poussée et j'en suis ravie. C'est le roman de Thomas H. Cook que j'ai rencontré dans un festival, ça s'appelle Les ombres du passé. C'est un roman remarquablement écrit, c'est un des plus grands romanciers américains actuels que je place très haut.